Bonjour à tous, pour vous présenter une petite vidéo et cette fois-ci du côté du potager de Normandie. Ben là on a la petite partie où il y a les épinards. Ils ont l'air de bien sortir. Avec les épinards j'ai mélangé cette année l'ail, histoire qu'il devient un peu protecteur des épinards côté maladie virale quand les feuilles deviennent un peu recroquevillées et jaunes, c'est-à-dire qu'ils sont malades, qu'ils sont atteints par un virus quoi. Je connais pas trop le nom. Donc là, il a tendance à les soigner quoi, les protéger. Voilà quelques petites rangées. Bon, il y a pour l'instant 2 à 4 feuilles, je pense, par endroit. C'est encore petit. Et puis là, le côté où j'ai mes petits rescapés, petits pois, les pigeons, ils ont tout massacré. Et juste à côté, vous avez l'ail. L'ail qui stagne en ce moment parce qu'il fait froid. Il y a des gelées toutes les matinées. Mais ils résistent, voilà. Donc ils annoncent un peu de douceur la semaine prochaine, donc j'espère qu'ils vont gagner un peu en volume. Encore un autre endroit où j'ai mes petits pois. Voilà, cette année, de ce côté-là, les petits pois, c'est ric-rac. Par contre, les fèves, ils se plaisent bien. Et on voit qu'ils sont bien sortis. Et pareil, ça stagne, vu qu'il fait froid. La terre n'est pas assez chaude. Voilà, mais ça va pas tarder à tout changer. Là, on a l'oignon. Ça doit être l'oignon blanc. Voilà, pareil. Ça a l'air correct. Tous ces endroits-là. Et juste après, on a les échalotes. Les échalotes sont belles. J'étais un peu gourmand cette année, j'ai serré un peu les rangs. Et puis juste un peu plus loin, l'oignon, mais c'est de l'oignon rouge. On va aller voir si c'est bien ça. Voilà. Ouais, ça a l'air de l'oignon rouge, voilà. Ça va, ça a l'air correct, tranquille, quoi. Et puis juste à côté, mon petit éventail pour faire peur aux pigeons. Et juste derrière, encore des fèves avec un terrain pas trop nettoyé pour tremper les oiseaux. Mais malgré ça, ils creusent des trous pour piquer les graines. Voilà. J'ai beaucoup d'attaques de pigeons ramiers. Encore un endroit où j'ai augmenté mes chances de planter mes petits pois. On verra quand il fera beau si ça va sortir un peu plus. Les salades, voilà, qui résistent bien aussi gelées. De la batavia. De la batavia dorée. Là. Et puis là, c'est de la laitue. Voilà. Se présente bien. Et encore plus loin, je pense que là j'avais mis, j'ai pas repéré, mais alors là c'est les choux chinois. Ils ont pas encore bien poussé et ça manque de douceur quoi. Et puis là j'ai planté de la betterave. On va essayer de voir si ça sort un peu. Un petit zoom, ouais, ça a l'air de sortir un peu là. Je sais pas si vous voyez, voilà, pas évident. La betterave elle aime bien aussi un peu la chaleur, donc espérons que la semaine prochaine ça ira mieux. Encore une petite rangée d'épinards, et puis juste à côté, j'avais semé à la volée de la salade. Voilà.
tout stagne, tout sort, mais tranquillement. Alors après, on va aller faire un petit tour dans les serres. Juste avant, nos fameux deux bacs. Cette année, je pense que sur celui-là, je vais tenter des concombres. Et puis sur le deuxième, peut-être des aubergines et poivrons. Je verrai avec la place qui me reste. Ce côté-là, il est encore à la friche. Je ne l'ai pas encore nettoyé. Parce qu'il reste encore du chaud de Milan. Bah, encore du chaud là, qui monte en graines. Et puis juste à côté, juste à droite, les fraises. Pareil, j'ai nettoyé un peu et puis j'ai paillé, histoire de éviter qu'ils soient étouffés par les mauvaises herbes. Puis le fait qu'il y a de la paille, quand il y a des fraises, le fruit reste propre, il ne touche pas la terre. Voilà. Et un peu plus loin, encore un endroit que j'ai préparé pour les futurs petits ronds et petits marrons. Bon, peut-être aussi des courgettes à côté. Donc j'ai mis les piquets pour les endroits où je vais planter. Et puis c'est important de laisser les piquer parce que quand le petit rond grandit, on ne sait pas à quel endroit on peut arroser. Donc c'est un repère. Et puis là, c'est les pommes de terre qui sont déjà plantées. Encore des fraises. Ça doit être de la garriguette. Et puis on a été un peu épargné par les gelées. Les arbres sont fleuris. Pour l'instant, il n'y a pas d'attaque. Celui-là, c'est un coachi. Le cardon, lui, il se plaît bien. Il aime bien le froid. Et puis là, aujourd'hui, j'ai planté les haricots nains. Et juste à côté, j'ai planté des petits pois encore. Petits pois nains. Et petit pois à rame, voilà. Histoire de se rattraper par rapport à l'autre endroit où il y a eu des attaques. Et cette fois-ci, j'ai mis le filet pour éviter que les oiseaux viennent. Et puis un peu plus loin là-bas, des carottes. Et encore là-bas où il y a les piquets blancs, des betteraves, voilà. Des betteraves noires d'Égypte. Et puis. Une ancienne variété aussi qu'on mange à partir de cet été. Et puis un petit tour dans les serres. Bah, la deuxième serre, la petite là, je viens de la préparer. Puis j'ai mis un peu de crottin de cheval. Je vais essayer de planter la semaine prochaine. Par contre, dans la bah, là, la rhubarbe, voilà. La rhubarbe qui se plaît bien. Bientôt elle va tout dépasser. Et puis encore le petit pommier, c'est la reine des rainettes, hein, comme variété. Ça va pas encore fleurir, donc épargné aussi par les gelées. Le boscope, pareil, épargné par les gelées. Voilà, tranquille. C'est des arbres qui sont un peu à l'abri du vent, donc ça fait moins de courant d'air froid. Le poirier, pareil. Le rescapé des gelées. Peut-être quelques petites fleurs noires, mais le reste, ça a l'air pas mal. C'est des poires Williams. Et puis là, la grande serre, voilà. Je l'ai plantée aujourd'hui. J'ai pas beaucoup de semences ici en Normandie, donc je préfère acheter des plants chez un gars qui fait ça bien. Alors, de la salade, de la batavia rouge. C'est une première pour moi, ça. Batavia rouge, d'habitude, j'ai l'habitude avec la batavia dorée. Là, c'est de la batavia grenobloise dorée. Et juste entre les rangs de salade,
mes favoris, les gros cornichons de Paris. Voilà. Donc tout ça sous serre, à l'abri du froid. Et puis j'ai attaqué les tomates. Voilà. On est mi-avril. Sous serre, on peut se permettre. Donc là, je pense que c'est les tomates noires de Crimée. Voilà. Il va y avoir une dizaine de plants. Là, c'est des tomates cerises. Pareil, une dizaine de plants. Et puis là-bas, c'est de la chicorée scarole de cet hiver. Et puis c'est la première fois que je tente des courgettes sous serre. Donc là, on a au fond les vertes et au milieu les jaunes que je vous conseille. C'est une variété très délicieuse, les courgettes jaunes. Voilà, ceux-là, une jaune et une verte à côté. Et puis le poivron rouge, pareil, sous serre. C'est des plants qui ont, je pense, 3 semaines. Encore des tomates. Alors, c'est la tomate cornue. Voilà. C'est les tomates allongées, chair juteuse et moins de pépins. C'est la deuxième fois. L'année dernière, j'étais bien content. Ça a bien donné dans le bac. Et juste à côté, c'est la Saint-Pierre. Voilà. Pareil, c'est une grosse tomate. Bon goût. De la salade batavia rouge, encore petit. Je vous ferai une petite visite dans 15 jours pour voir l'évolution. Et puis dehors encore, tout ça c'est un champ de patates. Il doit y avoir 100 plants de pommes de terre. Voilà. Allez, à bientôt. Au revoir.